Birchut Merav et Rabotai, avec les Dachem, je viens par la présence vous souhaiter à vous tous une bonne soirée. Cette soirée-là que vous êtes réunis tous pour le profit de Biyahad, c'est une organisation qui s'occupe beaucoup des gens qui ont besoin, des enfants, les accompagner à l'école, à l'hôpital, s'occuper d'eux. Enfin, du Hesed. Le monde tient par le Hesed. Surtout pour les enfants qui sont handicapés. Des enfants que ils ont leurs yeux levés vers le ciel. Que quelqu'un puisse venir les aider. Et pour ça, il faut des volontaires. Des volontaires. Et on va trouver ces volontaires. Ces volontaires-là, on ne les trouvera que par la grâce d'Hachem, des gens que vraiment ils ont Ahavat Israël. Il y a beaucoup de volontaires. Il y a des volontaires qui le font parce qu'ils n'ont rien à faire. Il y a des volontaires Biyahad, c'est-à-dire ensemble, qui se mettent à la place de ces malades. Lorsque je dis le mot Biyahad, ça veut dire ensemble. Et lorsque je dis le mot ensemble, ça veut dire ensemble, ça veut dire je suis en bonne santé, je me trouve avec quelqu'un qui n'est pas en bonne santé et je me mets à sa place et je suis ensemble avec lui. Et pour cela, il faut vraiment, vraiment, vraiment un bon cœur. Il faut avoir un bon cœur. L'organisation Biyahad, je pense qu'il faut du beau travail. À l'approche de Matin Torah, nos sages disent qu'avant que Hachem a donné la Torah, tous les malades ont guéri. Et pourquoi tous les malades ont guéri? Ça veut dire, imaginez-vous, tous ces millions de juifs qui étaient en Égypte. Ils étaient peut-être beaucoup parmi eux qui étaient handicapés. Parce que les Égyptiens, ils ont fait travailler tout le monde. Ils étaient durs, ils étaient cruels avec eux. Il y a beaucoup des juifs qui ont perdu l'usage de leurs mains, de leurs pieds, ou une pierre est tombée sur leur tête, et ils ont rendu handicapés, ils ont rendu peut-être aveugles, peut-être ils ont reçu des coups de poing des mains d'Égyptiens de l'époque, des coups de poing durs sur leur visage, sur leurs oreilles, leur bouche, pas de dents. À savoir dans quel état ils étaient. Et Hachem va leur dire, Nuré Hachem, c'est moi Hachem. Hachem va leur donner la Torah. Ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, et faites. Faites Shabbat, ne volez pas, ne tuez pas. Ceux qui n'entendent pas, ils ne vont pas l'entendre de la voix d'Hachem, à nos cris. Ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne marchent pas, comment voulez-vous qu'ils vont au Mont Sinaï? Ceux qui sont cardiaques, parce qu'ils ont eu peur en Égypte, comment voulez-vous les pauvres supporter cette présence divine devant eux? Ceux qui ne voient pas, comment voulez-vous qu'ils voient? Aussi écrit dans la Torah, ils ont vu les voies, ils ont vu des choses qu'on ne peut pas imaginer. Donc c'était nécessaire pour Hachem de guérir tout le monde. Lorsque Hachem a dit Anokhi Hachem, c'est moi Hachem, tout le monde a entendu. Lorsque Hachem leur a dit, vous avez vu d'où je vous ai parlé, tout le monde a vu d'où il leur a parlé. Tout le monde est venu. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, il les a tous transportés, il les a tous amenés au Mont Sinaï, donc tout le monde marchait. Et ce qui est impressionnant est que la Torah est dit que lorsque les bénis Israël ont reçu la Torah, ils étaient tous Be'ahad, tous ensemble. Be'levehad qui est Shehad. Comme une seule personne. Étant donné qu'ils étaient comme une seule personne, Akash Bokhu pouvait s'adresser à eux et leur dire en singulier, c'est moi Hachem, votre ton Dieu, pas votre Dieu qui est en pluriel, ton Dieu. Alors que la Torah aurait dû dire, c'est moi Hachem, votre Dieu. Non, Hachem a dit, c'est moi Hachem, ton Dieu. En singulier, ça veut dire Hachem s'est adressé à eux tous. Comme s'ils étaient une seule personne. Mes amis, ce soir, on est tous ici, Biyahad.
comme une seule personne pouvait venir en aide à cette organisation, Béahad, afin de parvenir à leurs besoins. Et je prie Hachem, avec l'aide de Hakadosh Baruch Hu, que Hachem vous donne à vous tous la santé, la prospérité si Dieu veut, et que Hachem y fasse, que Béahad Hachem, une fois que Hachem va venir encore, et bien ça va se passer ce qui s'est passé à l'époque, le matin Torah. Tout le monde va ressusciter, tout le monde va guérir, et ça va être un jour spectaculaire comme matin Torah. Et jusqu'à ce jour-là, eh bien, espérons, si Dieu veut, Béahad Hachem, que nous tous on sera présents pour l'accueillir. Que Hachem vous aide, et bonsoir.